Bonjour tout le monde. Mon voyage commence. Je suis en route pour Istanbul. Je quitte Montréal pour aller percer un mystère de famille qui me hante depuis des années. Je traverserai la Turquie jusqu'au cœur du territoire kurde. Mon but est d'enquêter sur le meurtre de ma tante qui a été assassinée il y a 30 ans. Elle s'appelle Güzide. La Turquie, c'est chez moi. Après plusieurs années vécues en Occident, je ressens l'urgence de revenir ici. Une question me revenait toujours à l'esprit. Qu'a pu faire ma tante pour qu'on lui retire la vie ? À chaque fois que je reviens à Istanbul, ma mère me prépare mon plat préféré. Elle appartient à une génération passée. Elle a été obligée de quitter l'école pour prendre soin de ses sœurs. Dans mon histoire de famille, certains de mes ancêtres se sont rebellés contre les sultans. D'autres furent artistes et poètes et ont laissé leur marque. Curieusement, ce sont tous des hommes. J'ai toujours été curieuse de connaître ces femmes qui ont été oubliées, effacées de nos mémoires. Mais celle qui m'intrigue le plus n'apparaît pas sur les photos. Güzide, ma tante assassinée. Kor gibi böyle bir hasret yani hayatımda bir sefer gördüğüm bir ablamın böyle bir hasreti çöktü içerime. Yani yoğunlaştı böyle bütün duygularım, düşüncelerim onun üzerine yoğunlaştı. Bilgi toplamaya başladım. Dedim bu Güzide'nin kimleri var olabilir? La mère de Güzide, ma grand-mère, n'avait que 17 ans quand elle s'est mariée. Peu de temps après, son mari l'a quittée pour une autre femme. Mais ma grand-mère était enceinte. Ses proches croyaient que cet enfant porterait honte à sa famille. Le jour de sa naissance, le bébé a été envoyé dans un village kurde, isolé. Ma grand-mère n'avait pas le droit de voir sa fille. Malheureusement, mon père n'avait pas de photo de Güzide. Mais il m'a donné celle-là. Ce fut mon premier indice. Ces deux hommes sont les frères du mari de Güzide. Cette photo m'intrigue. Celui sur la gauche semble avoir un problème à la main droite.
la femme au milieu et leur mère. Je ne sais pas qui est ce garçon. Mon père a entendu parler d'une rumeur. L'un de ces hommes aurait assassiné Guzidé au nom de l'honneur. J'espère que cette photo va m'aider à les retrouver. Ce soir, ma famille et mes amis fêtent mon départ vers l'extrême est de la Turquie. Demain, je serai dans la ville où mon père a grandi. D'ici là, bisous d'Istanbul. Aux confins est de la Turquie, à plus d'un millier de kilomètres d'Istanbul, se trouve la ville de Diyarbakır, tout près de la frontière irakienne. Plus j'avance vers l'est, plus je sens que je remonte dans le temps. Diyarbakır est la capitale spirituelle des Kurdes. Mon père est kurde. Il est né ici. Mais quand il s'est retrouvé à Istanbul, il m'a élevé comme une turque pour m'éviter de subir les préjudices qu'il a vécus. Je me suis toujours demandé comment aurait été ma vie si mon père n'avait jamais quitté cet endroit. Les Kurdes sont des gens fiers. Mais une décennie de guerre pour leur autonomie et la répression gouvernementale qui l'a suivie les ont profondément blessés. 60% des hommes à Diyarbakır sont sans emploi. Plusieurs enfants ne peuvent aller à l'école car ils doivent travailler afin d'aider leur famille. Derrière ces murs, ma grand-mère a secrètement versé des larmes pour la fille qui lui a été arrachée. Après 14 ans d'espoir et d'attente, elle finit par retrouver l'endroit où était sa fille. Au péril de sa vie, alors que les hommes étaient absents, Guzidé a été amenée secrètement chez sa mère. Yavuz, un membre de la famille, a été témoin de la rencontre. Hatırlamaz mıyım? Bu odaya girdik işte. Şu merdivenlerden çıktık. Orada oturuyorlardı zaten. Bir annenin çocuğunu görmeyip de aniden yetişmiş bir şekilde görmesi tabii o anlatılacak bir duygu değil. Onu yaşamak tabii çok önemli. Ve birbirlerine sarıldı. Tabii o işte birbirlerine sarıldılar. Zaten kenetlendiler. Hem ikisi de ağladı. Yani saçları örüklüydü. Tek örük yapardı o. Onun heyecanı böyle bir sararma şeklinde değil. Yanakları al al olmuştu. Bak onu çok iyi biliyorum. Yani şu yanak kısımları al al olmuştu. Zaten
Megizli'de de o gece bizde kaldı. Ertesi gün tekrar köye döndü. Ce matin, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Près de mon hôtel, un jeune homme a tué sa sœur de 15 ans. La jeune fille a été violée par un cousin. Quand la famille a remarqué qu'elle était enceinte, ils ont ordonné au jeune garçon de la tuer pour rétablir l'honneur de la famille. Quel honneur y a-t-il à tuer sa propre chair ? Son propre sang. Namus nedir namus? Namus her şeydir ya, namussuz. Olur mu ya? Buraya şöyle gelin. Namus insanın her şeyidir yani. Yani Müslümanların... Müslümanlık mı? Müslümanlık için her şeydir yani. Olur mu ya? Var ya, kendini bilen, bilen insan için var. Neyi doğru diyor ya? Çıplak ediyorlar. Olur mu ya? Namus sadece kadın mıdır ya da iki bacak arası mıdır? İnsanın toprağı da namusu değil midir yani? Bunu algılayamıyor mu insanlar? Yok o onun boynuna sarılmış, sana ne, ben boynuna da atlarım. Sen kendine bak, sen özgür hocam, müsün? Ben demeyi çağırıyorum. Sen aleyküm selam diyor musun? Eski Diyarbakır olsa sizi hepinizi öldürürler diler. Haklısın, haklısın. Je veux savoir si la tradition islamique a joué un rôle dans le meurtre de ma tante. Anushka's has got nothing to do with Islam. It has got nothing to do with Quran. Just the opposite. Killing, no matter what, is the biggest sin in Islam. So honor crimes is actually, it's a Mediterranean, Middle Eastern customary practice which has been wrongly associated with Islam. Quels sont les motifs de l'assassin? A-t-il défié l'islam? Quel était le rôle de sa famille? This is a case where all the family come together. So it's not anymore the husband who kills the woman, but it's a family decision. When I say family, it's a big family. It's like a tribe. It's a semi-feudal structure. So the whole family comes together and takes a decision to kill a woman or a girl. Il semble que l'honneur d'un clan puisse avoir plus d'influence que l'islam. Il n'en faut pas nécessairement beaucoup pour déshonorer la famille. Tenir la main d'un garçon. Refuser un mariage arrangé. Ou parfois être victime d'un viol. The only way to fight against control of women's sexuality, to fight against these customary practices in all of women's societies, including Muslim societies, including Turkey, is women's empowerment. So therefore, women's movements and women's NGOs are the key to eradicating these practices. A lot of the women's organizations are dependent on funds from the West. And of course, Canada. Canada is one of the countries which has been very helpful in this respect. Grâce au travail acharné des groupes de femmes sur l'éducation des familles, plusieurs femmes ont été sauvées des crimes d'honneur. Dans les archives de la ville, j'espère trouver des traces de l'existence de ma tante et peut-être de son meurtre. Il
Diyarbakır Merkez'e kayıtlı nüfus kayıtlarımızı bilgisayar taramasında Güzide Karaozan'ın kaydını bulamadık. Nüfusa kaydı yapılmadan ölmüş. Si ma tante est absente des registres de la ville, comment pourrais-je découvrir ce qui lui est arrivé? Il semble que même encore aujourd'hui, les fillettes du village ne valent pas la peine d'être enregistrées. Je quitte le bureau des archives, j'ai l'impression d'être dans une impasse. C'est alors que Shérif, un ami de la famille qui a entendu parler de mon enquête, a voulu me rencontrer. Güzide'yi iyice gördüm. Ha tabii çocuğu da vardı, biraz evvel de söyledim. Suya girdi bu erkek çocuk. Shérif n'avait pas de photo de Güzide. Mais même après 30 ans, il en gardait un vif souvenir. Güzide aynı. Yani sana bakıyorum ona. Gözler, kaşlar aynı. C'était étrange de rencontrer Shérif. J'aurais aimé pouvoir extraire l'image de ma tante de sa tête. Avant de partir, Shérif m'a dévoilé le nom du village où Güzide a grandi. Le petit village de Milan n'existe même pas sur la carte. Je dois donc me débrouiller seule pour trouver mon chemin. Vallahi böyle yol boyu gideceksiniz. Çok yukarıda mı dağa kavuşacaksınız siz? Tamam, sizin tarifinizle biz buluruz. Ha, hadi olur. Çok teşekkürler. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Ha, çobanın dediği dağlar göründü. Enfin, le village de ma tante est devant moi. Je me demande si les habitants seront accueillants. Je leur explique que je suis la nièce de Güzide. Une des amies de Güzide avait hâte de m'amener quelque part, tout de suite. Je sens que ma tante est presque vivante dans la mémoire des villageois. Mais est-ce que ces décombres sont tout ce qu'il reste de sa vie? Eşhedü en la Muhammeden Resulullah. Rizgo est l'imam du village. La mère de Rizgo a allaité son fils et ma tante en même temps. Elle les unit alors tous les deux comme frères et sœurs. Yani onlar da nasıl çocuğa seviyor, nasıl çocuğa sürdürüyor, nasıl çocuğa
yani elbise, elbise temiz falan beyvan. Yani kimse onlarda kızılmayan, yani kimse onlarda şey az olmuyor. Hiç seviyor, çok seviyor. Ta benim anladığım, ben onlar değil, ona sağladım. Anası yok, kimse yok. Güzide'nin karakteri nasıldı? Hı? Nasıl birisiydi Güzide? Ya o tipini çok bile üzüm. Yani üzüm boylu ya adam. Yürüyüşü aynı jet gibi. Vallahi böyle. Aynı erkek şey, kıyafetleri, erkek kıyafetleri. Güzide semble être une légende ici. Comme la télévision est rare, la tradition orale joue encore un rôle important ici. Le meurtre non résolu de Güzide fait partie du folklore. Encore aujourd'hui, on peut entendre des chansons sur elle. Cesur bir kadındı. Vallahi erkeklerden korkmuyordu. Yani gerçekten silah elinde gelseydi o adam adama vurabilirdi yani. Gerçek bir kadındı yani. Kadındı ama erkeğe benziyordu. Je cherche des traces de Güzide dans le visage des autres femmes. Pendant ce temps, les habitants du village ont commencé à me prendre pour Güzide. Sen geliyor, gidiyor. Her zaman o, sanki o, yani Güzide o adam sağdır. J'ai le sentiment d'avoir trouvé une seconde famille ici à Milan. Étrangement, avoir été membre de cette grande famille a marqué le destin de Güzide. Bizim köyde kimse onun nikahı da yani olmuyor. Herkesi bacanidir. Herkesi sütü yemiş. Yani o olmasa bizimki onlarda yabancı adam vermiyor. Mais à l'âge de 15 ans, Güzide a été marié à un étranger. Le fils du maire du village voisin a payé cher pour obtenir la mariée. Je me demande si rien n'a changé depuis l'époque de Güzide. İki tane evlidir. Bir de köyde, bir de Diyarbakır'da oturuyorlar. Yani babam onları zorla verdi gerçekten. Zorla vermişler. Ama ben dedim ki ben zorla evlenmek istemiyorum. Kimi seviyorsam onunla evlenmek istiyorum. Plusieurs jeunes ici n'ont pas les moyens de se marier. Şimdi ne diyelim? Artık o kız gitti. Ben hiç kimseye artık bakmayacağım. Ne kadar başlık parası isteniyor genelde? Genelde 5 milyar, 6 milyar. Bizden yukarı köyler var. 15, 20 milyar istiyorlar. Bir minibüs istiyorlar. İşte. Peki hangi kızların daha fazla başlık parası daha yüksek? Nasıl oluyor? Misal diyelim bir kız güzeldir. Kaç tane genç onu seviyor. İdaya giriyorlar. O diye ben alacağım. O kız daha yüksek oluyor. Onun başlık parası daha fazla oluyor. Aller à l'encontre de la tradition et s'enfuir avec un amant peut coûter la vie. Je me demande si ma tante a été tuée parce qu'elle s'est opposée au code de l'honneur. Mon chauffeur Eshref a deux femmes. Je lui pose des questions sur l'amour. Peki mesela sizin eşiniz, sizin hanımınız gibi bir hanım böyle 12 yaşında evlendirilmiş. Bir başkası da daha sonra gönlü düşse, bir başkasıyla evlenmek istese. Öyle bir dava kesinlikle olamaz. Niye? Olamaz işte burada. Ne olur öyle bir şey olursa? Yani öyle bir şey olamaz. Olduğu zaman da onun ölüm fermanı olur.
Yani fermanını, ölüm fermanını kendi eliyle hazırlanmış olur. Ya daha doğrusu açıkça söyleyelim. Burada erkek sözü geçer. Yani söz hakkı erkeğindir. J'habite ici avec une famille de 5 enfants. La plus vieille, Leïla, reste à la maison plutôt que d'aller à l'école. Elle prépare la cuisine, nettoie la maison et s'occupe de ses frères. La famille de Leïla n'a pas les moyens de payer une dot pour que son frère puisse se marier. Pour qu'il se marie, la famille compte échanger Leïla. Leïla verdi ile déjà. Sen ne diyorsun Leyla? Başlı parası istesinler mi senin için? O evlenmek istemiyor. Çok utanıyor. Niye evlenmek istemiyor? Daha küçüktür yani. Büyüse o da kendi kendine ister. O büyük olsa o da kendine bir işi bulacak. Daha ondan küçüktür sonra... yani. 12 yaşında vardır yani. Mais le plus grand rêve de Leïla, c'est d'aller à l'école un jour. Leïla, okumak istiyor musun? Ben istiyorum ama danın dizi okula git. Ya okul açık oldu, her zaman gelebilir. Leyla. Leyla. Bu gece hiç durmadı bile, çalıştı. Ya diyeyim Leyla ne yapıyorsun? Bile kendi kendine yazıydı. Bütün gece oturdu çalıştı. Saat 10'a kadar yazdı. Öğrenmiş ama hepsini. Bırakmadım okula gidip. O çok istedi. Ona gideyim, gideyim dedim. Yok, gitme gibi. Bırakmadım. Bıraksaydım çok gidip, çok istedi. Çok akıllı ama bak ne kadar meraklı, hemen öğrendi. Çok daha o olmasa hiç ben edemeyim. Yani bir gün hasta olsam, bir yere gitsem, o hemen yani çocuklara yemek yapıyor, çamaşır yıkıyor. Yani ev işi ne olsa o görüyor. Leïla a fait elle-même ce foulard pour son trousseau de mariage. Elle me l'a offert. Un homme m'a vu avec mon foulard aujourd'hui et m'a dit que ma valeur serait de 1000 moutons, 500 kalachnikovs, 50 chameaux et 10 chevaux. Je me suis tout de suite sentie rabaissée et en même temps étrangement flattée. Thank you.
Aujourd'hui, il y a un mariage à Milan. Tout le monde est invité naturellement, car tout le monde fait partie de la même famille. Nazmiyem de Analyana evlenmez ki evlenek Nazmiyem'i dolandırır üç beş tane dalgalak Bir manyak, iki manyak, üç manyak, beş manyak, sarhoş manyak Manyaklara ver konyak, çak çıkaran keyfe bak Nazmiyem. Les mariages sont des moments décisifs pour les gens ici. Comme ils ne sont pas tous enregistrés officiellement, ils se transmettent de génération en génération, comme les contes. Alors, passe, passe, passe. Chérifé est la conteuse du village. Elle raconte toute l'histoire du village à travers ses chansons. Elle m'a raconté sa version de l'histoire de ma tante. Chérifé m'a dit que Güzide a pleuré tout comme cette mariée ce jour-là. Avait-elle prévu son sombre destin? Le jour de son mariage, la jeune mariée laisse sa famille et ses amis derrière elle. Désormais, elle appartient à la famille du mari. À partir de maintenant, ses visites chez elle seront limitées. Il semble que le mariage de Güzide fut le point de départ d'une série de malheurs. Chérifé identifie le garçon sur la photo. C'est le fils de Güzide. Il est décédé peu de temps après que cette photo soit prise. Güzide a pleuré sa perte pendant des mois, ne quittant jamais sa maison. Mais ses malheurs ne s'arrêtaient pas là. Son mari fut abattu lors d'une vendetta avec un autre village. Güzide était devenue alors une veuve sans enfant. Comme le veut la coutume, il était prévu que Güzide épouse l'un des deux frères de son mari. Mais je me demande ce que Güzide désirait. Après une nuit sans sommeil, j'ai réalisé que je devais faire face au côté le plus sombre de sa vie. Qui l'a assassiné et pourquoi? On m'a dit que Güzide a été tué dans un village voisin nommé Tepecik. Mais les villageois m'ont déconseillé d'y aller. Olur yani onlar tabii ki ne bak şimdi biz unutmuyoruz demek karşı taraf da unutmayacak. Bunlar iki karşılıktır diyeyim. Yani ters geliyor. Sizin için ölümüne de geliyor. Yanlış anlaşılmasın. Hani bu memleketin bir örfü adeti vardır. Hani. Ner veri düzmeni onu da derriti. Mer ve emu abi binen emu adı kuzun. Bebe ve bebe düzmeni emen o. Je me suis rendue jusqu'ici pour découvrir ce qui était arrivé à ma tante. En dépit de mes craintes, je pars pour Tepecik pour confronter les éventuels meurtriers.
Après à peine quelques kilomètres, je me sens dans un no man's land. Des soldats nous arrêtent. Ils nous empêchent d'entrer à Tepecik. On m'explique que Tepecik est déchiré par un conflit qui oppose la guérilla kurde à l'armée turque. Sur le chemin du retour, je vois un panneau qui indique Karacaoren. Ce nom me rappelle un vieil homme qui m'avait dit qu'autrefois Güzide habitait dans ce village. Sur un coup de tête, je décide d'aller là-bas à la recherche des deux frères. Je vois ces hommes à l'entrée du village. Ils doivent se demander qui nous sommes. Je surmonte ma peur et je leur montre la photo. J'apprends que l'un des frères, Baki, était dans ce village il y a à peine une semaine. Güzide diye birisini tanıyor musunuz? Evet. Güzide. Tanıyorsunuz. Yok, görmemişim. İsmi olarak var. Geçiyelim, köyden geçiyor. Ne, nasıl tanıyorsunuz? Burada Güzide olarak şeydir. Yani kurşunla yaralanmıştı. Ondan sonra hastaneye götürüldü. Hastanede ilaç mı vurmuştular, ne olmuştu, öldü yani. Onu bilirdi orada. Bu köyde mi vurulmuş? Bu köyde vurulmuş, eski zamanda. Bu annem söylediklerine göre. Hani benim bildiğim bir kurşun burasına değmiş, bir tane de burasına değmiş. İri yapılıymış, bir erkeği bile dövebilecek şekilde öyle bir şeymiş yani. Öyle bir insanmış, benim bildiğime göre. Plus je pose des questions, plus je remarque qu'ils deviennent nerveux. Mon ami intervient pour m'aider. Teşhisten çok yani onlarla hani bu kadını tanıdıklarına dair görüşme yapmak istiyoruz. Yani konuşmak istiyoruz daha doğrusu. Türkçe bilmiyorlarsa da Kürtçe konuşabiliriz yani. Ben, ona biraz siz az önce bazı sorular sordum, ona çekindiler biliyorsunuz o konuda. Yani aslında çekinmiyor. Niye çekilsin? Les habitants du village me conduisent jusqu'à chez une femme qui a entendu les coups de feu cette nuit-là. Sur les lieux du meurtre de Güzide, je ne trouve que des ruines. Malgré l'accueil des habitants de ce village, je sentais qu'il me cachait quelque chose. J'ai fait un rêve cette nuit. J'étais perdue dans un lieu étrange. Au loin, j'entends une voix qui chante. C'est ma tante. J'ai le sentiment qu'elle est enfin heureuse. Elle sent ma présence. Elle sent que je suis ses pas. Lorsqu'elle me laisse, je réalise que je n'ai jamais vraiment vu son visage. Je regrette de ne pas avoir pris une photo d'elle. Je me sens triste d'avoir raté cette occasion.
un habitant de Milan, voulait absolument me présenter la meilleure amie de Güzide. Makboule m'a donné les coordonnées de Baki et de Kadri. Ils habitent à Tepecik, derrière le barrage routier. Je compose le premier numéro. La ligne est hors service. Mon cœur se met à battre quand j'entends une réponse au second numéro. Serait-ce le meurtrier? Quelqu'un répond. C'est Kadri. Il est méfiant, mais il accepte de me rencontrer, à condition qu'il soit accompagné de son fils. Je me sens en sécurité dans l'hôtel. Je me sens protégée ici. Aussitôt que je le vois, je constate la ressemblance avec l'homme sur la photo. Il a une main abîmée, comme l'homme sur la photo. Je lui demande de me dire la vérité. Ödemesini istediler. Aile. Güzide'nin. Dur kaldı ya. Bizim benim bir şey var. Abim var ya. Baki isminde. Baki'ye vermek istediler. Aile. Aile olarak. Güzide ona kabul, o diye kabul etmedi. Güzide. Ben Baki'yi almıyorum. Yahu bırakın biz, ben evlenmem. Bırakırsınız ben Abdülkadir'i alırım. Yani beni. Beni seçti. Ayrıca kabul etmediler bunu. Diğer arkadaşlarım, akrabalarım. Yok öyle bakı yalnızsın. Götürdüm başka bir yere. Benden başka bir köye. Böyle talih karaca yoran. Benim oradaydı. Yüzdeyi aldım getirdim oraya. Yıkarladım. 3-4 ay arada geçti, geçmedi. Gece ben evde değildim. Havlaya çıkmış. Kimin tarafından bir kişi varmış herhalde. Havada bir gizlemişler. Güzide'yi vurmuşlar. Siz kimin tarafından vurduğunu biliyor musunuz? Geceymiş. Mahkeme verilmiş. Adam tatlı olmuş. Mahkemede, ağır düzeyde mahkeme oluyor. Suç tespit edilmediği için bana tatlıymış. Ben de davacıydım. Davacıydınız ama davacı. Kimin tarafından olduğunu biliyorsunuz? Kesin bilmiyoruz. Şüphe üzeri biliyoruz. Kim peki şüpheliymişsiniz? Güzide kimin vurduğunu düşünüyorsunuz? Onun üzerine attık. Akın üzerine attık. O da yok ben geceymiş yani gündüz değil. O da inkar etti. Ben değilmişim. Düşman tarafından vurulmuş. Fakat geri de geldi. Tahtime göre ben kardeşime dava ettim. Davacı yok. Konuşuyor musunuz arada bu meseleyle ilgili? Konuşuyoruz ama çok fazla değil. Birbirimizi sevmiyoruz. Ben çok üzülüyorum. Güzide'nin ölümüne boşu boşu. Hiçbir zaman da hatırımda çıkmıyor. İnan olur Allah'ta. Misali gördüm, tam Güzide'nin hatırını ben tutsun ki burada az oldu onu biliyorum. Anladın mı? J'ai enfin rencontré l'homme que Güzide aimait. Après tous ces malheurs, elle n'avait plus rien à perdre. Et elle a décidé d'écouter son cœur
même si elle devait le payer de sa vie. Si j'avais pu aller à Tepecik, j'aurais pu me retrouver face à face avec Baki, le présumé meurtrier de Güzide. Aujourd'hui, Baki n'est plus qu'un vieil homme, à moitié sourd et à moitié aveugle. Tout à coup, la personne la plus inattendue apparaît. Shérif est passé pour me dire au revoir. Il est plutôt surpris de me voir assise avec ses anciens ennemis. Ben bile hakimi ya gedeteyi. Le gedeyim. La litir khala. Sashava. Ha. Pendant que ses anciens ennemis racontaient des vieilles histoires, j'ai réalisé à quel point ils étaient proches avant le début de la vendetta. Artık diyorum Şerif Bey, şu kan davası bitsin. Bitti. Ami biliyor. Bitti bizim. Ami bak. Bitmiş. Data babamız yaşındadır. Ce n'est que le temps qui nous dira si la vendetta est finie ou non. Mais pour le moment, il semble y avoir un espoir de paix entre les deux familles. İki aileyi de birbirine getirdiniz. Tanıştık, konuştuk. Hacı abiyle. Çok güzel oldu yani. Tanışmamız iyi oldu. Sohbet ediyoruz burada, görüşüyoruz. Le voyage tira sa fin. J'ai été incapable de trouver une seule image tangible de Güzide, même pas une simple photo. Mais Kadri m'a dit que je n'avais pas besoin de photos pour voir son visage. J'ai simplement à me regarder dans le miroir pour la voir. Ironiquement, ce sont des femmes comme Güzide dont les histoires se retrouvent dans les chansons, qui inspirent les générations à venir. Le dernier jour à Milan, j'installe l'internet à l'école pour que Leyla et les autres soient au courant de ce qui se passe à l'extérieur de leur village. Je vous envoie une photo de moi avec Leyla. Sera-t-elle capable de poursuivre ses rêves? Et à quel prix ?